parfois des accidents en ce moment parce que des gens ne savent pas conduire. Et en plus, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont jeunes et qui ne savent pas bien maîtriser le volant. Bref, bonjour à tous, c'est monsieur, c'est-à-dire monsieur Mendes 02. Je sais pas pourquoi j'ai dit monsieur Mendes 02, mon alter ego n'est pas là de toute façon. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler du Dark Défi, non secondaire. Et pour cela, j'ai parlé de bagnole, aérien, tel qu'un jeu de course pour ça. Et donc, on va retourner évidemment dans le passé, avec un certain Mario Kart Wii, un des jeux les plus connus de la Wii, évidemment, pour soi-même. Mais là, ce sera pas la question de lui-même, parce qu'il n'y en a plus, ce sera question de Grand Prix. Et pour cela, je vais faire venir mon cher ami Miguel, je sens que c'est ce qui aime bien souffrir. Et donc, pour ce dernier défi qui va devoir exécuter, qui ne sera pas facile évidemment, et son objectif sera de finir obligatoirement premier sur les 4 circuits de la Coupe Étoile en mode miroir. Donc, pour faire simple, il suffit qu'il finisse ne serait-ce que deuxième ou en dessous, ne serait-ce que à une seule course. Et bien c'est perdu direct, game over, retour chez toi, voilà. Bon allez, sur ce, on va lancer la vidéo tout de suite et on va voir si notre ami sait bien conduire, soit il est comme ces jeunes bourrés qui rentrent de boîte de nuit et qu'à tel point ils se payent des arbres avant même de s'en apercevoir. Ouais, c'est parti. Non, je suis pas Luigi, ta mère. Oh. Non, tu t'appelles pas Luigi. Oh. Et t'es obligé de te lever. Je suis obligé pour un Dark Défi, je crois. Oui, c'est un Dark Défi, mon Luigi. Pourquoi je mets son fichier? Parce que t'es tout dalle, parce que t'as rien fait dans ce jeu, t'es nul. Parce que j'ai avec des amis. Non, t'as pas d'amis. Et t'as pas besoin de Curly pour ça. Maintenant tu vas en Grand Prix et faire le mode miroir. Alors qui vas-tu prendre? Je vais prendre Todd. Ah bon? Grosse blague. Non, tu prends DJ comme d'habitude. Parce que t'as mis ma tchatch. Faut que je fasse de merde. Oui, faut que tu fasses la coupe étoile. Et tu dois finir obligatoirement premier sur toutes les courses. Enfin, sur tous les 4 circuits. J'ai pas le choix, on va dire. Bah non, t'as pas le choix, de toute façon. Il suffit que tu finisses en dessous de premier, ne serait-ce qu'à une seule course. Non, et bah, c'est game over tout de suite. Oh putain, c'est vraiment tout à l'envers. Agnès, qu'est-ce que tu branles là? T'es passé ton vacances, bordel? Bah, il est pas là, je te signale. C'est le démon qui te parle. Ça me dit que ça prend des vacances, au final, ça en prend pas. Gros foutage de gueule. Oh, sa mère. Quel détail. Nique sa mère. C'est la petite tour du schéma avec les toiles. Niquez-vous. Nique-toi. Nique-toi, Todd. J'ai un schlock qui est en face, mais je sais pas qui c'est en fait. J'ai pas vu. Putain, je fous dans les photos comme un con. Mais normal, tu sais pas conduire. Est-ce que de la carapace? Les singes ne savent pas conduire. Vous voulez pas un café? Il attend le deuxième tour. Venez voir papa. Allez, au revoir. Au revoir. Oh merde, j'ai dérapé à gauche alors que j'allais à droite. Oh sa mère, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais... T'es défoncé dans les plombs, comme un ornithorynque. Toi, dégage, t'es moche. Tu ressembles à toi à dette, mais en moins classe. Ce défi va tout défoncer. Ouais, Best Punchline Ever, je sais, mais ça c'est pas gênant. Merde, t'as fait comme ça la con. Ouais. Attention. Tu t'es pas la vie. Je sais pas si je dois considérer l'éclair comme de la loc ou pas en fait. Parce que du coup ça me permet de passer premier même si avec les, sans l'éclair c'est passé. Tandis que la loc. Toi tu l'aimes bien te trouver. Putain. Réflexe de ninja en cours. T'as eu peur de manger une carapace. Oh, la carapace est disparue. Oh nice. Oh c'est bon ça. Oh
Oh putain, fais pas l'enduit. C'est Paul, Paul. Il va te trouver. Mais toi, on va plus prendre la carapace. Bon, bon, mon cher Miguel Chantez, on peut dire que bon, c'est déjà perdu. Oui, malheureusement pour toi, t'as déjà perdu le dard des filles, parce que je t'avais dit que il fallait finir obligatoirement premier. Et malheureusement, bah tu n'as pas réussi. Mais bon, on va voir si on va quand même laisser la vidéo, parce que bon, ça va pas durer même pas 4 minutes, hein. Ça fait que 4 minutes que la vidéo a commencé. Et on a bien envie de voir un peu la suite. Si Miguel Chantez a toujours de la chance, on ne voit pas du tout. Hein. Et là, je rigole, il finit trois fois premier, et là, il doit être mad. Oui, c'est vrai, dans ce Mario Kart, on peut prendre deux items. Hashtag MK8. J'ai totalement zappé. T'as ma vie de MK8. Dis-moi, tu reçois Mario Kart 8, que t'as oublié la version Wii, là. Les vrais seront ceux qui se souviennent du jeu online sur Mario Kart Wii, évidemment. Les autres, bah, allez vous coucher, dégageons. Donc c'est ça, bah, je suis à l'épouser au vide. Sa mère, j'ai cru avec la vie à la main. Ok, je voulais t'être oublié. Je pourrais faire des dégâts au démarrage turbo. Dégage. Ouais, ça goûte une banane. Regarde. Là, c'était ce qui est du professionnel. Regarde-moi ça. T'as pris quand tu bouges au casson. T'aimes bien rouler dans le casson. Putain, je peux me faisais couillonner, moi. Alors putain, au moment où il passe, il n'y a plus d'item. Appelle au kamikaze. Ça va marcher terrible. Je sais pas si ça a touché quelqu'un. Ça a pas vraiment eu l'effet que je voulais. Oh, merci. Sympa. Sympa le cadeau. Bonne journée. Je me casse. De toute façon, ton cadeau, tu ne verras pas. De toute façon, vous t'as déjà perdu. Un item. Nice. Tu veux quoi, toi? Tiens. Tiens, ce cadeau, ça me fait plaisir. Connard. Tu vas faire mal. C'est toi, de ce bon truc. Nique sa mère. Oh bah c'est pas ça. Vu qu'il y avait le tronc, le Goomba, je suis merde. Du coup. Petit vent que je le mets, que je remets. Mais fais gaffe, hein, certes tu peux leur faire un petit vent, mais il suffit qu'il pointe une poule et puis il suffit de manger la tête mal. Tu me dis qu'il y a une carapace pour ma gueule. Non, il y a une... même un éclair aussi. La carapace, c'est ça, c'est combo troll? Non. Oh putain, je serais passé dans le truc. Avec le sien, putain. Go, Power Rangers. Oh. Non, je prends pas le risque, là, des yeux tapotés, c'est derrière la ligne droite. Quand tu mets des limites. Wouhou! T'as fini premier, il était content. T'es bon, tu fais le macaque. Parce que t'aimes être un macaque, de toute façon, de base, tu en es déjà un. Bon, voilà. Permettez, j'ai mis ma boîte. C'est sûr, on entend des petits bruits, c'est normal, il y a des fois un peu de vaisselle qui se déplace. Donc voilà. Sa mère. Voilà, je suis 12ème. Voilà, c'est pour vous montrer comment je vais rattraper tout le monde. Si tu arrives à rattraper tout le monde, comment tu bouffes les murs, hein. C'est parti. Ouais, on a déjà plus de place. Seul MK, on verra 12 personnes. Littéralement, j'ai limite gagné du temps en fait. Gagné du temps. Non. À quel point tu restes dernier. Non, toi, nique ta mère. Attends, y'a moyen. Ok, là y'a déjà 4 places de gagner là.
Oh, pas du tout. Il prend un item, on sait jamais, on est confiant, on a pris la confiance. Dégage le schlag. On a pris la confiance. Oh merde, faut partir à droite. Oh putain. Oh ça passe. Ouais, tu prends trop mal, il vient de chier, frère. Non. Et écoute, tu pousses les armes. Raccourci. Ça va! Tu vas aller pour les raccourcis parce que toi tu vous fais tous les murs! C'est un débug! On n'est pas dans, dans les autotemponneuses, je te signale! Non, pas des champlats! S'il vous plaît! C'est ce que je me disais, t'es. Tu fais partie des jeunes qui savent pas comment tu fuis là! Oh putain, j'ai deux bananes ensemble! C'était mon tuto pour rattraper, pour passer de 12ème à 1er! N'hésitez pas! Non, je déconne, il n'y aura pas de tuto comme ça! Ah oh, mais non, les pas ce que j'ai tenté de faire. Qu'est-ce que je fais? Oh. Je me concentre un peu quand même, parce que je rappelle la merde. Je t'ai mis à faire des acrobaties. Oh, ça a compté, nice. Je pars par là, c'est facile. Trop confiant. Trop confiance pour la confiance. Merde, merde, droite, je peux pas faire ça. Le dernier tour. J'en ai un petit peu plus si bon quand même, mais... Aïe, ta mère. Te fais pousser toujours tous les murs dans ta gueule. Allez, bébé Mario, viens. J'ai du bon cassoulet pour toi, si tu veux. Il faudra que j'y arrive déjà, bébé Mario. Tu veux pas du cassoulet? On va te faire enculer. Tiens, ces cadeaux, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi t'as cassoulet ta carapace, hein, ça aurait pu faire un peu défense. Mais bébé Mario, viens. Putain, t'es pas drôle. Wow! Il vient de se passer quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle le step! C'est quoi ce délire? Putain, je mets des champlards, il y a vraiment partout, c'est génial! Ton snap pas... Gauche! Gada! Oh! On peut dire que là, voilà. Tu continues premier, mais sauf que là, ça sert à rien, là. Parce que vu que t'as déjà perdu, bon, là, de toute façon, là, c'est la dernière course. J'ai pas les trois champions, je veux faire le bug. Désolé. Ah non, moi. Et je sais pas le faire non plus. Désolé. C'est l'avantage, déjà. Si tu sais aller faire le bug là, ce serait trop cheaté. Je vais rattraper. C'est pas un problème. Oui, non, l'inspi, voilà. Je préférais attendre de passer la fake box avant de prendre l'inspi. Putain, il a lancé la carapace juste avant mon nez, cet enfoiré. Oui, il avait failli toucher. Oh bébé, ta mère, ouais. Dégage, toi. Dégagez. Mais ça pousse partout. Putain. Tiens, ces cadeaux, ça me fait plaisir. Surtout que les carapaces dans le jeu ne sont pas très intelligentes. Elles sont capables de bouffer n'importe quel mur. Non. Putain, c'est pas drôle, j'avais des trucs pour me défendre. Tu pourrais faire chier les cibles aussi. Hein. Non, pas que je peux relever sur ça. Mais je vois un fake box, hein. Dégage. On a touché le monde là. Oui, t'as tout voulu te toucher avec avec la carapace. Qu'elle avait au cul. Allez, ce n'est pas ton sous-sens. Non, personne. Même pas, tu sais pas viser. Dégage. YOLO. Comme j'ai senti. Pars pas trop en couille, déjà. Pars pas trop en couille. Wow. C'est pour le fou. Vous me faites ça, les mecs. La météorite a failli te t'écraser sur la tête. Dans ta gueule, salope. Mais vite fait. Putain, ça va, mes carapaces, qui sont là, mes carapaces de niquer. Oui, là, ça va être l'air. M'emboîte, vous connaissez les bails. Voilà. Ok, ces cadeaux sont que plaisir. Pour avoir une putain de fée. C'est ça que j'ai touché. Je vais avoir une putain de fée box à la con. Mais bon, en fait, ça va. Wow. En fait, j'ai l'impression que depuis que Mélisandre a perdu lors de la première course pour le Dark Défi, j'ai envie de dire que les CPU sont du WFH. What the fuck? J'ai pas ta suite. Dégage!
espèce de salope là. Regardez-moi la belle salope là. Ouais, bah, 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 bah. Tu m'as fait une 360. Voilà, tu me rends ma place. Retrouve, nique-toi. Oui, parce qu'en fin de compte, ouais, les CPU ils se font dit que bon, on est obligé de s'en faire perdre plus tard des filles. Donc, c'est bon, on fait plus rien. Oh, je suis passé dessus. Mais je suis pas capable de. Bah, malheureusement pour toi, t'as perdu de toute façon dans tous les cas. Donc, ça changera rien du tout au niveau du score. Vous êtes pris sur plein, vous êtes torché avec ou quoi? Non, mais les mecs, je suis déçu. Je suis déçu de votre part. Oui, oui. Et tu sais quoi, mon petit? Je suis tout à fait si déçu que toi parce que je suis obligé de faire ça. Try again. En fin de compte, je suis pas trop déçu de faire un truc comme ça, vu que j'ai l'habitude. De toute façon, Miguel Chant 16, hein, ce n'est pas un très bon conducteur, parce que comme vous l'avez vu, en train de faire du n'importe quoi, surtout dès le début, parce que c'est ce qui lui a coûté cher déjà. Et au moins, les trois premières places qu'il a obtenues, bah, malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que bon, il avait fini deuxième lors de la première course, et ça lui a coûté une petite voilà. Bon, j'espère que pour vous les mortels, vous avez bien apprécié ce dernier défi, que vous n'êtes pas trop ennuyé. Et donc si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager aux autres. Et puis aussi, si vous avez des derniers défis beaucoup plus sadiques que ce jeu, et ben je suis preneur, hein, pour le faire souffrir à des joueurs. Vous pouvez laisser un commentaire dans cette vidéo ou alors sur Twitter avec le hashtag d'Artifi. Et vous pouvez aussi abonner-vous à la chaîne, évidemment, pour voir d'autres vidéos. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais faire mon rôle de flic. Et puis, brûler tous les permis de ces jeunes délinquants qui savent pas conduire. Et aussi, je vais leur priver d'alcool quand ils vont aller en boîte de nuit. Parce que je suis cynique. Allez, je vous dis à tous et bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'est ciao, bye bye.